gonfle l'airpipe maintenant. Tes masses, c'est tout. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo. Tu peux pas la fermer Elle va un peu plus loin, c'est bon. Non mais s'il te plaît. Genre c'est bon, fais le métier un peu. C'est un peu ma station en plus. Ouais mais je m'en fous, moi je suis là, j'ai payé et tout. Ouais c'est vrai. Ça va Kylian? Ça va et toi? Ouais, super. Les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, je suis au ski avec Benji Friand et dans ce vlog. Kylian Larrière. Donc je vais vous vlogger les quelques jours où je suis ici, il va y avoir de la snow scoot, il va y avoir du lifestyle, il va y avoir plein de petits trucs, ça va être super cool, donc restez sur la vidéo. Et juste avant ça, juste avant de commencer à faire des tricks en snow scoot sur ce beau snowpark de Lézin, c'est ça hein, Lézin. Si vous ne connaissez pas, j'appelle Kylian Larrière et je fais des vidéos de sport extrême et de trucs freestyle deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi à 18h, donc n'hésitez pas à vous abonner sinon on le ferait à la suite de la vidéo. Allez les gars, on passe au contenu, il fait super beau. Donc là les gars, on est sur la petite partie du snowpark qui ont quand même des grosses bosses d'environ 5-6 mètres. On va spotter là jusqu'à ce qu'on aille manger. À savoir que les gars, j'ai extrêmement mal au poignet, j'ai une espèce de tendinite, j'ai vraiment du mal à rider. Et c'est parti, on commence tout de suite avec quelques petits tricks ici. Là. Yeah. Yami? Ouais. Arrête. Oh, comment j'ai le meuf. Super beau. Ah, je suis content les gars parce que c'était le trick que j'avais mis l'année dernière sur une petite box. Là c'est passé propre, mais juste prendre le bon speed. Voilà, c'est son premier trick de la journée les gars, en détente. Bon les gars, on va se décaler un peu sur le petit module qui est là-bas, une espèce de Rainbow en curb avant d'aller manger. Et vous inquiétez pas, mon objectif de ce séjour c'est de mettre backflip sur cette box. Et si je suis très chaud, c'est prendre l'énorme box ici. Voilà le module en question. Oh, ça glisse. Je déteste ce genre de module, je suis pas du tout à l'aise, c'est comme un wakeboard. Je fais que glisser quoi, y a aucune accroche. Allez c'est parti, Rémi qui wax. Comme c'est du plastique, tu mets la neige, avec le soleil ça va fondre et ça sera mouillé, ça glisse. Je fais pas loin, ça va? Ah mec, les crampons dans le tibia. Ça glisse pas, ça accroche sa mère. Oh ouais, on est triste parce qu'il y a des meufs derrière. Et alors? Énervé! Ça les gars, c'est dur. Explique-leur comment c'est dur, oui. Bah je peux pas leur expliquer vu que je sais même pas le faire tellement c'est dur. La chute la plus longue du monde. Oh là là, la propreté. Trop content. Mais j'ai senti sur la fin, j'étais grave posé, ça devait être stylé en vidéo. Mais il suffisait qu'il y ait encore un peu de quelques centimètres et ça faisait un coccyx direct. Énervé. Bon, cette matinée, Benji, c'était comment? J'ai mal. Pourquoi tu te mets toujours à l'endroit qui est compliqué? Regarde la bière où elle est. Bon, les amis, il est midi, on a fait. Enfin, il est pas midi, il est plutôt 13-14h, mais on a fait notre petite pause. Là, on va manger tranquillement. Et cet après-midi, le but du jeu, c'est de. Pour moi, c'est de faire une rotation. Pourquoi pas un world first avec un flair dans le pipe? On va aussi faire de la merde pour la vidéo de Benji. Je veux pas teaser plus que ça, mais on va l'enterrer dans la neige. La vidéo sera sur. Ma chaîne. Et voilà les bêtises là qui vont commencer. Ouais. Donc les gars, on va aller enterrer cet énergumène, ça sortira sur sa chaîne. Ça fait 20 minutes qu'on creuse. Je vous montre un peu pour vous teaser là sur la vidéo de Benji pour que vous alliez voir. C'est un beau trou hein. Du coup on perd complètement nos repères. C'est possible que le sang descende ou monte à la tête suivant le sens. Bon allez, si vous voulez voir ça les gars, ça sera sur la chaîne de Benji. Et nous on se retrouve juste après pour continuer à rider cet après-midi. Vous savez quoi, je le sens bien, la viande. La viande c'est maintenant. Et maintenant que je vais aller dans le pipe. Emma cette folie. Ah, okay. Ça en impose. Go flare pipe maintenant. Bon, c'est clairement fait virer par l'hélicoptère, les gars. J'ai essayé 2-3 lines, j'ai compris. Il faut faire full speed, prise de car à gauche, et là t'envoies. Et demain ça passe. Donc on se retrouve demain. Et sinon, bah ce soir, je vais vous montrer un peu là où on dort et tout. Continue le vlog demain, et demain il y a flair, c'est sûr et certain. Notification en fait, le pipe ferme à 2h. Donc en fait, on était dans l'illégalité, c'est pour ça qu'il y avait personne dedans, tout simplement. Donc pour finir cette journée tranquillement et garder des forces pour demain, pour faire flair en début de matinée direct, on va se chauffer sur ça. Je ne suis pas du tout serein sur ça. On va essayer hein, vu que je me suis chauffé un peu sur, vous avez vu ce qu'on a fait avant là. Je rappelle, j'ai super mal au poignet. On se bat les couilles, on se bat les couilles, on se bat les couilles. La 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 la. On se bat les couilles, on se bat les couilles, on se bat les couilles. La 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 la.
comme j'avais dit, on est rentré à la maison, chez Benji, enfin chez ses parents. On est dans sa chambre, enfin ce qu'il en reste, parce qu'apparemment c'était pas comme ça à l'époque. Il y a des posters de filles à poil avant. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis ouvert le tibia. Voilà. Je vais vous montrer un peu là-haut comment on dort. Là, on trie les clips. On va aller voir ce que Rémi fait là-haut. Et après, bah, je vous dirai à demain. Bah, je ferai mon petit taf du soir et dodo. Comment ça, Rémi, rhabille-toi. Et là, les gars, c'est notre chambre. Ah ouais. Ça, c'est sur YouTube, gros. C'est pas sur personne, ils vont le voir. Ouch, tu me coupes ça, je m'en bats les couilles. Ouch, gros. On se voit demain pour un flair, je l'espère. Et sur ce, bah, bonne nuit. Et vous, c'est l'image d'après. Salut les gars, on est le jour 2. Donc, comme vous voyez, les conditions sont encore parfaites. Et comme vous l'avez vu derrière moi, je suis déjà au pipe, on est en début de session, j'ai mis le protège-dents, j'ai fait quelques trails et je me lance tout de suite sur le fer pour ne pas le manquer cette fois-ci. Avant de commencer, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est qu'un pipe, ça se ride gelé. Nos cars, elles se plient pas, donc on n'arrive pas vraiment bien à prendre la car. Un pipe, c'est un des trucs les plus difficiles à rider sur la neige. Donc il va essayer de dropper là et de le faire en face là. Nope. Premier essai pas très concluant, mais c'est juste pour avoir un feeling. En fait hier, quand j'ai testé, c'était un peu plus mou, donc j'avais de l'accroche. Nope. C'est encore un peu gelé, donc à mon avis, on va laisser fondre un peu une ou deux heures. Je vais revenir et normalement ça devrait passer. Bon les gars, on a rejoint Rémi sur un nouveau module qui a été mis pendant la nuit. Donc on va faire quelques tricks là en attendant que le pipe qui est derrière fonde. C'est super try. Nope. Carré! Nope! Bah bravo Nils, super! T'as tout cassé ton coccyx! Il est en t-shirt! Il s'est râpé le coude! Et la neige ça frotte bro! Il est tout râpé gros! On se remet un peu zoomé et au ralenti, la petite danse comme ça de reprise d'équilibre à la fin. Bon les gars, il est midi, c'est l'heure, on retourne au pipe et là ça tryhard le flair. Normalement ça devrait avoir un petit peu fondu, la neige devrait être bonne pour que j'ai de la croche en fait et que je puisse faire flair. En tout cas j'espère. Comme il s'est envoyé dans le quarter, il va finir la tête plantée dans le quarter. Ouh. Oh. Ah les gars, je commence à vraiment fatiguer là. Et malheureusement, je crois que je vais devoir m'avouer vaincu. Ce qui me saoule franchement parce que bah, je pensais vraiment que c'était possible. C'est tout, c'est possible. Il y a un truc avec la pente. En gros, t'es sur la carte extérieure, mais faut envoyer sur le teco. Et même quand il y a de l'accroche et que c'est pas verglacé, bah, j'arrive pas à envoyer en fait à m'éjecter du pipe. Donc ça fait que je peux tirer de toutes mes forces. Quoi qu'il se passe, je continue à avancer. J'arrive pas à avoir l'accroche nécessaire en fait pour hop, envoyer en arrière. Je pense sincèrement que c'est possible. Ouais, que je tryhard quoi le tricks plusieurs jours d'affilée, que je comprenne mes erreurs, que j'analyse les tricks à la caméra après. Donc juste là, il nous reste une heure de pipe. On va essayer de faire des tricks dedans avec Rémi. Voilà, donc c'est parti, on continue. Tellement ridicule. Yes. Yo. J'ai mis toute ma vie pour réussir à replaquer. Quand même bien joué. Alors là on parle d'un scooter flip. Vas-y, c'est arrivé à tourner le flair. Replaquer le flair, c'est comme un scooter flip. Ça aurait été très très dur en vrai, je pense. Hey, je vous jure ce qu'il vient de faire, sur la neige c'est incroyable gros. Ça on avait mangé, il y a Rémi qui se déterre à descendre le pipe, faut savoir que ça fait 7 mètres. Moi j'ai eu très peur tout à l'heure pour le faire, en plus c'était encore gelé. Donc là les gars, vous voyez la taille hein. Le noir c'est vraiment, la fin du noir c'est vraiment le bas de la pente. C'est monstrueux. 1, 2, maman je t'aime. Maman je t'aime. T'en as 2000 mètres, le mec il court quoi. 3, 2, 1. Là t'es chaud là. Là c'est du Rémi en déter. Les gars, je suis dégoûté.
Le temps qu'on mange, les conditions elles se sont dégradées, mais il y a un truc de fou. Regardez le vent qu'il y a. Vous voyez l'éolienne là? Faut savoir qu'hier elle tournait pas. Juste prendre le transfert là où je voulais faire le backflip. Faut prendre deux fois plus de hauteur pour prendre le speed. Et encore, c'est pas assez parce que la neige elle a tellement fondu au milieu que ça fait comme une espèce de flaque. Et il suffit que tu prennes mal ta car, t'as pas le speed pour faire le transfert. Vent plus ça, j'ai jamais mis backflip sur une aussi grosse box. Je suis dégoûté parce que je pense même pas pouvoir l'essayer. Il est prévu de tempête pour demain. Voilà, je suis... Bah voilà hein. Je confirme. Je vous avoue, je suis très dégoûté. C'est un peu un échec cette session. Pas de flair, pas de backflip. Et alors là, la grosse box là-bas, faut même pas espérer y aller quoi. Donc bon, j'espère que je vais pouvoir vous filmer encore quelques tricks. Et si, par magie, le soleil commence à percer et que je peux faire un backflip, je le ferai. Mais je vais pas prendre de risques inutiles. Les conditions sont vraiment mauvaises. Vous avez vu comment j'ai galéré à mettre ce bar 50-50 whip alors qu'hier je te fais ça en backflip whip quoi. Donc bref, là on va redescendre. Fin de journée, fin de session, fin de ces deux jours de ride. Je vous mets des petits clips à la GoPro. On va curver. On a quand même une belle piste bleue pour descendre jusqu'en bas. Je vous fais kiffer avec ça et on se retrouve pour un petit débrief. Bon les amis, vous allez sûrement rien entendre, mais je voulais juste vous amener ici au bord du lac, vous expliquer tout dans la cabane en bas à l'abri du vent. Bah, je voulais terminer ce vlog ici, au bord du lac Léman. Pour ce troisième jour, on n'a pas pu aller rider parce que comme vous voyez, la tempête Sierra est arrivée aussi en Suisse, hein, alors qu'elle était déjà en France. J'espère que vous avez vraiment aimé ce petit vlog deux jours de snow scoot. Donc faut savoir que moi j'ai vraiment une tendinite au poignet, j'ai pas pu donner tout ce que j'avais, mais je suis très content de ce que j'ai fait malgré le fait que j'ai pas réussi à faire de rotation. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like des familles, un commentaire. Allez aussi vous abonner au Insta de Rémi et YouTube de Benji. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, je vous rappelle c'est vendredi ou mercredi à 18h. Allez potes, ciao et bon ride.